Voilà, il y a beaucoup de titres, mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Bilo Etienne Saint-Fortien, Kalalam Balandaï, de TV du peuple RD Congo. Voilà les informations d'aujourd'hui. Nous allons parler de Martin Fayoulou et de Donald Trump, rapidement comme un flash. Voilà, nous avons une information du média politico.cd. Alors, Martin Fayoulou, ramené chez lui dans une Jeep, voilà. Dans une Jeep, probablement une Jeep de Fidel Babala, parce que, bon, sa propre Jeep a subi des crevaisons. Bandeko, Tomona, Likamwana, anormal, Penzate, parce que même à Walapoto, ceux qui, manifestation et Zali de caractère, je ne sais pas, a provoqué des troubles ou comme déjà, la Moka Balakisaki Ango na Koya ya ya Jean-Pierre Bemba Bazoki Saki 11 policiers bamosus gravement na président Akinda ki tina hôpital ko visiter bango donc ba bangaki ke makambwana ezonga lisus et en plus le jour de commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, donc Wana et Zali Kopesa, bien thé. Et puis en même temps, Fedwana, bon, président de la République a préféré qu'on soit la meeting dans l'Est, dans la zone où il y a Bitumbe Zali, chaque fois que Zali Kokouf à tous les jours. Donc, Zala qui bien thé. Ça la fête et à Kafou Kafou, non, et surtout Marchouana. Donc voilà, Bapo Yango, mais Bango Vassel Nanko. Normalement, bah policier, bah utiliser bah moyen soft, bah moyen dur, dureté, ya pour Pekisa, manifestation. Voilà, par exemple, une nouvelle trouvaille, c'est d'avoir crevé les pneus. Il vaut mieux ça, hein, crever les pneus que de tirer des balles. Donc, voilà. Mais nous allons procéder à la lecture de cette information de politico.cd. Vous pouvez trouver ça sur internet, politico.cd. Même si vous ne faites pas les 3W, vous faites tout simplement politico.cd dans la barre de l'URL. URL, et puis bon, vous verrez le message parce que voilà, il est là. Est-ce que c'est visible? Ah, ouais, plus ou moins. Voilà. Nous allons lire quand même pour vous, cher public. Martin Fayoulou ramené chez lui. Les manifestations dispersées par la police. Politico.cd. Après l'échec de pourparler avec la police et la crevaison des pneus de sa Jeep, Martin Fayoulou a été contraint de rentrer chez lui par le commissaire provincial de la police, Silvano Kasongo, qui vient d'arriver sur les lieux. Sa suite de véhicules a été neutralisée au quartier 1 vers l'entrée du boulevard Kimbuta, est de Kinshasa, en Djili bien sûr. Fayoulou a pris place dans la Jeep de Fidel Babala, secrétaire général adjoint du MLC, lui aussi venu plus tard sur les lieux. Secrétaire général adjoint, parce qu'on sait que la secrétaire générale, c'est Eve Bazaïba. La police à bord des six jeeps a reconduit
Martin Fayoulou vers chez lui dans la commune de La Gombée. Quant au reste des manifestants, ils ont été priés de rentrer chez eux par la police. Ils ont été priés de rentrer chez eux par la police. Sous peine d'être arrêtés pour trouble à l'ordre public, a dit le colonel Blaise, commandant des opérations sur place. Notons que le gouvernement provincial a refusé d'accorder l'autorisation de manifester aux militants pour ne pas saboter la journée de la célébration de l'indépendance. Décision confirmée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a demandé aux leaders de la MOUCA de ne pas confondre anarchie et démocratie lors d'une interview accordée à la Radio France Internationale et France 24 le samedi 29 juin dernier par Thierry Mfundu de politico.cd. Bon, chers compatriotes, il est à noter que depuis que le président Félix Tshisekedi a été proclamé depuis janvier, voilà, donc money. Donc, Balo Baka Pomele, Bakanga Kalisus Batute, Batisaka Motute, Batubasaka Nabango manifestation, mais il doit y avoir remarqué, bon, que Batuyala Moka, Bandaï Kola qui sa tribalisme, à part tribalisme, Bazola qui sa violence, et tout ça, autorité, bani quand même, jour de l'indépendance, voilà, ils allaient quoi exagérer, hein. Quoi, il se bouge du bois, moussa, bouenda, ni mon moukoy. Ah non, trop bon, trop couillon. C'est ça qu'on dit. Donc, pourquoi pas ne pas encourager le gouvernement, Félix Tshisekedi, dans ce sens-là, d'empêcher le désordre. Donc, il y avait bien d'autres jours pour faire cette manifestation. Il y avait le 29, il y a le 1er juillet, pourquoi seulement le 30 juin ? Le jour de la commémoration de l'indépendance. Bon, c'est normal ce qu'ils ont fait. Et en plus, vous remarquerez que tout a été fait le plus en douce possible. Pas de matraque, pas de tir à balles réelles. Et une méthode très douce, là. Juste avoir crevé les pneus. Ben, les pneus, on peut les réparer. Hein. Et ça, quand même, empêché d'une manière en douce. Cette manifestation qui n'était pas autorisée. Très bien. Nous allons passer maintenant à notre sujet très important. Parce que on avait remarqué que le président s'était rendu aux États-Unis et qu'il avait été reçu par d'autres autorités fédérales. Parce qu'il paraît que ce n'était pas une invitation de la Maison Blanche, c'était une invitation officielle comme eux, ils faisaient la distinction à l'époque. Mais il avait été reçu en pompe quand même, nous avons tous regardé les images. Et maintenant, Donald Trump, sûrement par l'intermédiaire des médias ou par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis, il s'intéresse maintenant à la République démocratique du Congo et plus particulièrement au président Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons lire le texte. Patientez, s'il vous plaît. Voilà, c'est la rédaction de quel magazine? De politico.cd. Voilà. Voilà même l'image de Donald Trump. C'est bien visible là. Ouais, ouais.
Ouais. C'est visible comme vous pouvez le voir. Voilà, je passe à la lecture. Le 30 juin, Donald Trump espère renforcer les liens avec Félix Tshisekedi et la RDC. Qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit Boulder, virgule, CO, octobre, le 28 octobre. Ah oui, là, c'est la photo, la description de la photo, mais l'information, c'est plutôt ici. Le président Donald Trump a adressé un mot au chef de l'État Félix Tshisekedi et au peuple congolais à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, présentant ses meilleurs vœux au peuple congolais. Donald Trump reconnaît que 2019 est une année historique après des années d'instabilité et d'incertitude. Nous sommes encouragés par les engagements à réformer des institutions clés et je souhaite à tous les engagements à réformer des institutions clés, a-t-il dit dans son mot. Chers compatriotes, veuillez m'excuser, il y a des vacanciers ici à la maison, il y a du boucan. Donc, voilà, je continue. Alors, chers compatriotes, faisons comme si de rien n'était. Au revoir. Pour ceux, il a souhaité un avenir meilleur et stable à tous les Congolais. Il a aussi décidé de renforcer les liens avec Félix Tshisekedi et la RDC grâce au partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les deux pays. Dans la bêtise suivante. Voilà. Inch'Allah, il est bien. Tout le monde. Voilà. Si on ne te croit pas la vidéo, pourquoi? Anna, sans commentaire. Hein. Donc, le soutien direct de Donald Trump au président Félix Tshisekedi. Il espère renforcer les liens. Dans la foulée, nous avons appris aussi, malheureusement, que dans les manifestations de Lamouka à l'est, à Goma, il y a une personne qui est morte par balle. Mais bon, c'est à confirmer pour savoir dans quel camp c'est venu. Vous savez maintenant ce qui se passe, c'est que s'il y a des forces de l'ordre qui commettent des bavures, ils sont arrêtés, hein. Donc, si réellement un policier a tiré par balle et qu'il y a eu un mort, il sera arrêté. Maintenant, c'est l'état de droit. Nous en profitons aussi pour Koyebisa Bandekonabiso Bayimbo Kake. Samedi, wana le 29 na Lubumbashi, président Alobaki, que a nommé Bajuge Yasika pour Bajuge Oyo. Bazali, quand on va décider si que la Cour constitutionnelle n'a bisika motouf, il y a justice, Bazali intégrité, Bazali ko la qui sa faiblesse, il y a Makassi. Donc, il annonce la nomination de nouveaux magistrats. Chers compatriotes, c'était juste un flash et nous nous arrêtons par là. Merci, au revoir et à la prochaine émission. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobi Kalambote, Wandugwa Penzi, tout la Malisa, tout à Onana, Kesho, Pampang Yamono Yaluzolo, Benobi Kalambote, et tout à Malana, Mbas. Dans la bête, tu vas suivre. Inch'Allah, Ibib, ni tout mon âme. Si on ne te croit pas beaucoup de vidéos, je crois. Anna Lingo Amboshila.